Alors qu'elle s'était mise sur son 31 à l'occasion de la fête de la Saint-Jean, la ravissante princesse Charlène de Monaco a vu sa fille Gabriella de Monaco lui voler la vedette grâce à son look. En effet, la sœur jumelle du prince Jacques de Monaco était véritablement craquante avec son joli chignon ce jour-là, et dans cette nouvelle vidéo, nous vous donnons plus de détails. Mais avant de continuer, nous vous souhaitons la bienvenue sur la première chaîne officielle dédiée à l'actualité sur la famille princière de Monaco. Nous vous prions de vous abonner à notre chaîne et surtout d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune nouvelle vidéo à propos de la famille princière monégasque. Merci. Ce vendredi 23 juin 2023, le prince Albert de Monaco et sa femme, la princesse Charlène de Monaco, sont apparus avec leurs deux enfants Gabriella et Jacques afin de respecter l'une des traditions annuelles de la principauté de Monaco. Le prince Albert II et sa famille ont en fait célébré la Saint-Jean, qui est l'un des moments forts de l'année dans la principauté monégasque. À l'occasion de cette fête, ces derniers ont admiré un feu de joie se consumer aux côtés d'un groupe de danseuses de la Palladienne depuis le balcon du palais princier de Monaco. Pour faire honneur à cette tradition, la princesse Charlène de Monaco s'était bien évidemment mise sur son 31. Elle portait notamment des diamants aux oreilles, mais aussi une chaînette apparente avec une croix en guise de pendentif. Cependant, la femme du prince Albert II de Monaco a vu sa petite fille Gabriella de Monaco lui voler la vedette ce jour-là. En effet, la fille du prince Albert de Monaco et de Charlène de Monaco, sœur jumelle du prince héritier Jacques, était vêtue d'une magnifique robe en dentelle pour célébrer la Saint-Jean. De plus, la Gabriella de Monaco avait dégagé son visage pour la première fois en optant pour la formation d'un beau chignon haut avec ses cheveux. Ceux-ci étaient aussi attachés par un bijou de tête à perles. Un look à la hauteur de l'événement pour la jeune princesse Gabriella. Pour rappel, la Saint-Jean se déroule dans la foulée des célébrations liées au solstice d'été. Sur le rocher, il est généralement de tradition d'embraser un feu de joie, baptisé Batafuego, en monégasque. Ainsi, celle-ci trouve sa source dans le christianisme, étant donné que Saint-Jean était celui qui annonçait l'arrivée de la lumière. Cependant, afin que le prince de Monaco, la princesse Charlène de Monaco et leurs enfants puissent assister à cette célébration depuis le balcon du palais princier de Monaco, le grand feu de joie s'est consumé sur la place du palais. Outre cet impressionnant brésier qui fête l'arrivée de l'été sur le rocher de Monaco, le prince Jacques, la princesse Gabriella, le prince Albert II de Monaco et Charlène de Monaco ont aussi pu admirer le groupe de la Palladienne, qui assurait pour sa part quelques danses folkloriques à proximité du feu de joie. Pour mémoire, ce groupe de danses folkloriques accompagne le plus souvent les moments festifs qui réunissent les membres de la famille princière de Monaco. Les danses folkloriques qu'ils exécutent sont inspirées de danses traditionnelles provinciales. Toutefois, si l'on n'en juge pas les clichés pris ce jour-là, les enfants du prince de Monaco et de la princesse Charlène de Monaco semblaient plutôt impressionnés par le spectacle qui leur était proposé. Dès lors, en attendant vous revoir dans nos prochaines vidéos pour plus d'informations sur la famille princière de Monaco, dites-nous dans les commentaires ce que vous en pensez de cette belle apparition du prince Albert de Monaco et de la princesse Charlène de Monaco en compagnie de leurs enfants Jacques et Gabriella. Merci une fois encore et comme toujours, restez scotchés.